Yo, les boys, après ça, ça vous tente-tu de foxer les cours pour aller boire de la bière? Non, moi j'ai atteint ma limite cette semaine. De quoi tu parles avec ta limite, man? Ben, c'est prouvé, les hommes doivent limiter leur consommation d'alcool à 3 par jour et 15 par semaine. Les femmes à 2 par jour et à 10 par semaine. Et on boit pas tous les jours! Jours. Oh, man. Vous faites rusher, boys. Moi, j'y vais, là. De corps. They see me rolling. They hate it. Hey, boys! Ouais, Je peux faire pour toi. Je suis Josh Bailey's, pis... Hein, Josh Bailey? Non, là. Josh Bailey's. Ah, ok. Si tu veux. À la fois, c'est que je t'ai vu danser, pis je trouvais ça vraiment frais pour elle. Que je veux savoir comment qu'on dansait cette affaire-là, pis si je peux rentrer dans le crew. Ok, mais oh, man, c'est pas aussi facile que ça rentrer dans le crew. La modération vient mieux un coup. Genre. Faut que tu résoudes cette énigme-là pour rentrer dans le crew. Pis après ça, on va te montrer comment danser l'éduc alcool. Ouais, bah. Bonne chance. Yo, dude. T'as-tu un livre sur les disques alcool? Attends une minute, je vais regarder dans le système. Non, désolé, on n'a rien sur cet organisme. Va voir sur Internet, ils ont sûrement un site où tu vas pouvoir trouver tout ce que t'as besoin. OK. Merci. Bye, chill. Monsieur, on ferme dans 5 minutes. Hey, toi, gang, nous autres! Hey, wow, les gars, man! Qu'est-ce que tu man? On kidnappe. Ok. Ah! Non! Non, regarde. Va-t'en, le char, là. C'est... Ah oui, je suis un peu. Quoi avec? Ah, fuck ça. Bon, man! Chaud, là! Ok, je m'en sers. Wow, shit là. C'est rush, hein. Ok, man, pas le temps de niaiser, man. Je me pogne un selfie. Yes, le gros. C'est-tu que t'es hot, man. Oh shit, il arrive là. Fuck. T'sais, ça gagne de la modération ben meilleur goût, toi. Rien, man, pourquoi? Ah, t'as vu avec eux. C'est sûr, t'en sais beaucoup.
Je suis même pas dans leur gang, dude. Ah ben, Chris. On t'a kidnappé pour rien. T'es sûr que tu sais rien? Même pas sur leur organisme affilié? Éduqué à l'école? Non, là. Je faisais justement une recherche là-dessus. Mais vous m'avez kidnappé, tu sais. Ouais. Pas fort, ça. Ben, check. Je vais te dire ce que moi je sais de ce qu'on a su de quelqu'un d'autre. Écoute ça. Éducalcool, c'est un organisme à but non lucratif créé en 1989 par la volonté de ses membres fondateurs de faire des actions de prévention puis d'éducation afin de faire des Québécois, les gros, des petits buveurs au lieu des gros buveurs. Ils ont monté une affaire de prévention d'information puis d'éducation afin de montrer aux grands comme aux jeunes comment en boire. Puis en plus de prendre des décisions éclairées, depuis qu'ils sont là, le gros, ils ont organisé des actions de même partout. Je te dis, ils ont tellement grossi qu'ils se sont rentrés dans les bâtisses du secondaire. Ils se sont affiliés avec plein de trucs sociaux, de la santé, de la publique. Ils sont everywhere, le gros. Everywhere. Je te dis, là, ils sont rendus premiers à l'international puis au Québec dans leur domaine. Ils sont malades. Faut les détruire. Je te le dis, gros, la prévention s'est rendue partout. Il y a même des jeunes qui ont décidé de créer leur petite gang. La modération a bien meilleur goût. Mais nous autres, on n'est pas comme ça. Nous autres, on est YOLO. Nous autres, on fête. Nous autres, là, quand on dit que les femmes veulent 3 consommations à l'occasion puis que les hommes peuvent jusqu'à 4, nous autres, on en veut plus. Sky's the limit, le gros. Ok, moi, je comprends un peu plus, là, mais si mes recherches étaient bonnes, là, ça veut dire que Hubert Sassy, le directeur général de l'organisme, ça serait lui qui dirigerait toutes les activités. Fait que là, ça voudrait dire que c'est lui le grand Manitou du calcul. Oui, mais non. Oui, c'est lui qui met les programmes sur place puis qui dirige. Mais il est accompagné d'un conseil d'administration, puis en partenariat avec la SAC puis le Nez Rouge. Dans le fond, l'élite de l'alcool s'assure du bien-être de l'organisme. Ce qui nous fait vivre, le gros, va nous tuer. Ok, man, ton histoire est bien intéressante, là, mais c'est pas pour te déranger. Moi, faudrait que j'y aille parce que ma mère m'attend pour souper. Pas de trouble, si tu veux, ma mère peut aller te porter. Oh ouais? Ah, ça c'est gentil, man. Maman? C'est soit bulletin spécial sur l'alcool. Coudon, faut juste parler d'alcool ces temps-ci? Oui, monsieur. Alors, pour revenir à notre émission, nous allons parler ce soir de l'alcool au volant. Vos papiers, s'il vous plaît. Fuck! Ensuite, une femme parle du syndrome alcoolo-fœtal. Mon fils, il est là, t'en t'a... Il a le nip là, les yeux écartés, pis en amande. Y a-tu pas l'air d'un attardé avec son TDAH? J'ai pogné le jackpot, moi, ta... Puis, médicaments et un alcool, mariage impossible. Ouais, t'es pas mal une belle pilule, toi. À quelle heure tu t'es graine? Hein? Hein? Finalement, un homme nous parle de son expérience avec l'alcool lors d'une décision difficile. Est-ce que vous désirez ajouter un deuxième chausson pour vaisseau de plus? Non. Ah non. J'en voulais un autre. Votre bulletin, dans quelques instants. What the fuck? C'est quoi cette émission-là? Assez de TV pour moi aujourd'hui, c'est-tu?
Yelle. Hey les boys, c'est moi, c'est Josh. Hey, en forme. Ouais, merci, mais il vous manque pas quelqu'un, me semble, la dernière fois, avec quelqu'un? De plus. Il y a Dioré. Ouais, j'ai Dioré. Ok. En tout cas, je suis venu parce que j'ai résolu une énigme, man. Bon, mais vas-y, c'est quoi la réponse? Ouais, la réponse. Ah. Ah oui. Plus fort. J'en ai plein les cheveux. Ah, excuse-moi, man, pour un court-métrage. Ok. Deux, c'est deux consommations par jour pour les femmes. Trois, c'est trois consommations par jour pour les hommes. Trois, c'est pour trois consommations à l'occasion pour les femmes. Quatre, c'est quatre consommations à l'occasion pour les hommes. Un zéro parce que tu peux pas consommer quand t'es enceinte. Un autre zéro parce que tu peux pas consommer quand t'es au volant. Le troisième zéro, c'est parce que les médicaments avec l'alcool, c'est pas une bonne idée. Puis le dernier, c'est que quand tu prends de l'alcool en même temps d'avoir des décisions importantes, c'est pas bon non plus. C'est correct, man? Ouais, good job, man. Hey, boys, dites salut à Josh Bailey, le nouveau membre de la crew. Trying to kiss me riding dirty.